Oh bah oui, oh oui. Ah, pas mal. La chasse reprend. On a une belle super cellule en direction de l'Ardèche. Voilà, il y a des gros éclairs qui tombent là. Il y a des impacts de malades qui tombent là-bas. Ma pauvre. Putain, la structure de malade. Apocalypse.
maintenant. Prends le téléphone, s'il te plaît. Putain les gars, là-bas tout ce que tu vois c'est la grêle qui arrive là, regarde, la structure là. Non mais là on va se casser là. Là-bas, c'est un peu juste là-bas là. Là faut se casser là. Mec. Vas-y monte dans la voiture, on va y aller là. Ah, c'est magnifique là, putain c'est cette structure. Là on n'a pas le temps là, faut dégager là. Voilà les gars, donc la cellule elle est passée, la super cellule avec une structure dantesque. Voilà, vous voyez, avec tout ce bordel à l'arrière. Donc là il y a moins d'éclairs, je peux plus faire de la photo, c'est dommage. C'est allé super vite, mais vraiment super vite. Et là on a encore quelque chose qui arrive. Donc je vais me replacer et puis on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et là on a un petit brin de vent. Voilà. Là on a un orage qui est en train de venir là. Vous voyez ce côté là-bas. Qui regarde. Voilà. Ah. Et là-bas, bah, on a encore quelques éclairs de ce côté-là. Il y a l'autre super cellule qui est parti mourir du côté du Royan, du côté de l'Arcor. Voilà. Donc là, on est à la Baume d'Austin. Alors, il y a encore quelques éclairs. Ça a l'air assez aléatoire là-bas quand même. La cellule elle détecte de la foudre. Voilà. Là-bas, ça a l'air de s'exciter. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, j'espère que je suis bien placé. Je dirais qu'il y a un arcus qui se forme là-bas. Ah ouais. Ah putain, là-bas. Ça se forme là-bas. Voilà. Bon, bah là-bas, c'est en train de prendre.
Là, je me demande si je dois les remplacer. Parce que là-bas, ça reprend. Super cellule qui est en train de se faire. Une nouvelle super cellule, vous voyez là-bas là. Oh là 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 là, allez hop. Ça va plus sortir là-bas. Dans la zone de foudrement. Bon, c'est pas très bien dégagé, c'est dommage. Quand même le coup. D'aller là-bas. Attention, il va tomber dessus. Mais oui, bien sûr. Oh bah oui. Oh oui. Ah, pas mal. Bon bah voilà, ça s'approche. Ça s'approche bien là. Voilà, en plein dans la boîte. Parfait ça. Bon, je vais pas tarder à rentrer dans la voiture. Ça approche. Ça tape. Voilà, ça tape les gars. Donc allez. Là-bas, il y en a eu un là. Bien continuer à faire de la photo, putain. Oh là là, c'est beau, hein. J'en ai eu un, mais bon, on voit pas très bien sur l'image, mais il y en a eu une mise à feu. Une mise à feu.
Ah si si en fait, hein, ça va les photos. Il y en a que j'ai pas eu forcément. Il y en a que j'ai pas eu, hein, c'est dommage. Oh. Ça a tapé sur la montagne là-bas là. Ah ouais, ceux-là, regardez les gars. Ah le double, ah c'est dommage le double. J'aurais bien pu l'avoir. Bon bah voilà, seconde cellule passée, super cellule carrément. Voilà. Ça flash encore. Bien voilà, on a un troisième orage qui est en train de se former sur l'Ardèche là-bas, vous voyez. Je crois même que ça tonne, pas étonnant. Et là derrière, bon, on a notre second orage qui évacue en direction du Vercors. Mais là je peux pas faire de la photo, putain. Le truc c'est que en fait j'ai peur que ça tombe trop proche, du coup qu'il pleuve aussi, surtout la flotte, parce que là en fait ça se rapproche mais de fou. Alors je sais pas si les premiers je les ai eus, mais les premiers ils étaient hardcore. Donc là quand c'est comme ça, hop, je rentre le matos directement. Là la photo j'aurais vraiment pu la faire.
mais largement. Voilà, là-bas, là, regardez. Attendez, je vais faire un truc, les gars. Merde. En fait, là, c'est en train de se rapprocher super bien, hein. Je vais rien avoir, ça va pas être possible du tout.